Nouvelle mobilisation cet après-midi à Lyon contre la réforme des collèges. Environ 300 manifestants, principalement des enseignants d'allemand, accompagnés de parents et d'élèves, ont défilé de la place Jean Massé au rectorat. Ils dénoncent toujours la suppression des classes bilingues. Actuellement, il y a 21 heures de cours d'allemand dans mon collège. On passera à 7h30 parce qu'il n'y aura plus de classes bilingues. Voilà. Donc effectivement, on devra se partager entre plusieurs établissements, ce qui met en péril l'organisation d'un échange, l'organisation de projets. On nous dit qu'on fait tout pour les langues, qu'il ne faut pas se faire de soucis, on enlève juste ce qui marche, c'est-à-dire les bilangues et les européennes. Alors que je rappelle, ces classes sont ouvertes à tous. Tous ceux qui veulent s'inscrire en bilangue le peuvent. Et tous ceux qui veulent s'inscrire en européenne, sauf pour l'anglais où il y a trop de demandes, ils le peuvent aussi. C'est faux de dire que c'est élitiste, il n'y a pas de sélection à l'entrée. On n'arrive pas à les remplir, on va chercher les élèves quand on les remplit les classes. Le décret qui prévoit l'entrée en vigueur de la réforme à la rentrée 2016 a été publié aujourd'hui au Journal officiel.